On raconte que c'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi vous envoyer vacciner et juste vous amuser. Earthstone, Heroes of Warcraft. Et salut à tous les amis, c'est 4204. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hearthstone, l'aventure Karaza ou un truc dans le genre. Enfin bref, déjà avant d'acheter en fait la suite, je voulais m'excuser d'une chose, c'est que j'ai pas mis de vidéo pendant plusieurs semaines. C'est parce que j'avais beaucoup de devoirs etc à faire. J'avais de gros trucs à faire pour mes études, quoi, en fait. Enfin, bref, on va acheter l'extension vu que j'ai enfin les 700. Vous dis pas comment j'ai dû fermer. Et hop. Maintenant, achat effectué. C'est parti. Et voilà. Le conservateur garde la ménagerie. Le foyer des créatures les plus exotiques de toute Azeroth. Plus loin se trouvent les appartements du maître et le portail pour se promener. Oui, j'ai monté le son là. Ouais, on voit le gardien et toute la panoplie créature. Super. Bah, le gardien en question. Qu'est-ce qu'on a si on arrive à le battre? Déjà, je regarde, je suis curieuse. Je suis juste curieuse, c'est tout. Ouais. Et à la fin... Ouais. Bon, c'est parti. Le conservateur est en train de libérer la ménagerie. Nous allons devoir le réparer. C'est quoi son pouvoir héroïque? Pouvoir héroïque passif, votre héros à provocation. Ok. Bien sûr, avec quel deck je vais l'avoir. Avec mon chasseur, comme d'habitude. Oui, j'ai réussi à débloquer ce personnage. Rexar contre le conservateur. Ne touchez pas les vitrines. Je la traque. Commence. Mince, c'était l'autre paquet de chasseurs qu'il fallait que je prenne. Oui, parce que celui-là, c'est mon nouveau paquet, parce que c'est un peu dur à expliquer. Okay. Le conservateur est équipé pour la gestion de la ménagerie. Ouais. Ah, je peux rien invoquer pour le moment, je passe mon tour. Ah bah lui il est dead. Hop. Attention. Pourquoi il a ce gros? Minuscule créature poisson libre de partir. Quoi? Le conservateur est désorienté. Vous devez l'arrêter avant qu'il libère toutes les créatures. Et là, il nous invoque des murlocs. Ok, il nous invoque des murlocs. Ouais. C'est juste pour voir. Et le murloc... dégage. Un seul lag. J'ai mis une lag, je sais pas pourquoi. Le conservateur est allergique aux bêtes. Ma carte. Manquait plus que ça, il recopie mes cartes.
Vous ne passerez pas. Et... Ouais, bah juste cette case, c'est plutôt pratique. Elle tombe bien celle-là. Veuillez respecter les procédures en vigueur dans la galerie. Ça. C'est pas du temps. Je crois que ça va pas être la tarte pour le battre. Bon, pour le moment, on arrive bien à l'année au tir, mais quand même. Un fiche de 300 millions. Il dit qu'il aime pas les bêtes, mais il en a pas que des bêtes. Ce serait un peu tôt pour l'utiliser, lui. On va mettre la provocation et faire ça. Quoi? Oh non! Je viens de comprendre, je ne peux pas détruire ces monstres avec les miens, d'accord. Fallait le dire. Les invités doivent rester à l'intérieur de la ménagerie. Avec une bête de toi. Oh super la provoque. Coucou, j'ai un plan pour faire un petit truc pas mal là. Y'en a un qui veut dégager. Lui. Non, je vais pas les utiliser. Enfin, juste après. Oh. Les démons n'ont rien à faire dans la ménagerie. Ah, quel démon aléatoire. Oh putain! Aïe! Le lion il tombe bien, mais juste après je l'invoquerai plus tard. Sauf si je l'essaye, mais sauf qu'il m'attendrait. La poisse. Hop, voilà. Quoique... Programmation des assistants. Un mec là, d'accord. Pas celui avec... Oh, toi, tu tombes bien. Oh, on peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Attends, stop. Chaque fois que votre adversaire joue une carte, retire tout. Oh! Nani! Bon, de toute manière, on le liquide.
Allez, hop. Et hop. Du premier coup, yes. Très bien. Une petite modification ici. Et il est comme neuf. Voyons, on a... ouais. Oh putain, un dragon! Le conservateur est... désolé. Veuillez l'aider à capturer les créatures. Lol. Désolé. Le dragon s'est enfui. Une rançon blague! C'est quoi son pouvoir héroïque? Pouvoir héroïque, le joueur demande... commence la partie avec 10 cristaux de mana. Nous deux ou juste lui? Parce que si c'est juste lui, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, de toute manière, avec ce deck, je me débrouille pas mal. C'est tous les deux. Ouf, mais on vire quand même ces deux là de carte. Ouais. Les œuvres qui se sont échappées peuvent se blesser. Elles doivent être reconduites dans la ménagerie. Non, sans blague. Oh, toi, tu viens là, toi. Hop. Et la petite pause. Petit combo. C'est pas mal qu'on ait déjà 10. Oh oh. Si. Être expédié ou pas, parce qu'en fonction de quoi qu'il avait, nous devons secourir Medivh. Les créatures doivent être sauvées, ensuite vous pourrez y aller. Oui, je voulais pas prendre de risque. Oh putain, c'est pire. Oh non! Oh non, c'est fini. Combat, il va être expédié. La Ligue des Explorateurs est arrivée. Renault, reposez tout de suite l'argenterie. Ben... on ne sait jamais. De toute manière, le combat, il est gagné. Banzai! Hop, je finis avec mon pouvoir.
Il a été soigné. Une aide supplémentaire est nécessaire. Encore ? Clic de guerre. Si vous avez un dragon en main, un peu deux dragonniers. Ouais. Page de dragonnier, vous pêchez une carte. Ouais. Peut être utile. Le dernier. Oh putain. Ce truc. Qu'est-ce qu'on a ? Réduit au silence, un serviteur réagit, vous fichez une carte et... bon, enfin bref. Le démon Malsabot. La pièce la plus dangereuse de l'exposition. Approchez avec prudence. Non, sans blague ! Voyons, c'est quoi son pouvoir, Eric ? Pouvoir passif. Seuls les diabotins dégoûtants. Infliger des dégâts. Quoi ? C'est-à-dire, j'ai pas vraiment compris son pouvoir héroïque. Rexar contre Malsabot. Ah, juste à temps. Que la traque commence. T'aurais pas pu venir juste un peu plus tôt, toi. Ah, je vous jure, dans le dernier combat, là, ça aurait été un carnage. Si, c'est bon, je vais comprendre. Le rituel commence maintenant. Les rituels d'invocation ne sont pas autorisés. Ah, d'accord. Bon bah, il va falloir jouer dans la défense. Oh non, cette carte, je la joue un peu plus tard. Parce que ça peut faire gros bobo ce que j'ai pensé. Voyons vraiment si. Non, mais ce que je pensais. Dégage! Non, je joue juste après en fait ce sort, mon secret, parce que au moins il y en aura un plus, mais je dis pas, ça va faire bobo. Ou pas. Voilà. Yes. Non, c'est bien ce que je pensais. Venez, mes chéris. Le rituel doit être accompli. Non ! Pas de vilain rituel, s'il vous plaît. Putain, c'est un barbare.
Vous ne passerez pas. Les chiens sont de sorte. Voilà. Attends. 2, 4, 6, 8. Ah, c'est y en a encore un, je vous jure. Ce... Ouais, on a littéralement gagné le combat là. Inflige 4 points de dégâts de défense, 4 de toi. Ouais. Aïe. Voilà, efficace comme ça. Je sais, ça marche pas. Encore juste deux éliminés et ça sera bon. Aïe. Oh, coco, ces deux cartes tombent à pic. Que les provoques. Il est obligé d'attaquer d'abord mes provocations. On s'en tape de toi, mec. Et dégage. La ménagerie sera restaurée. J'espère. D'accord. J'avais mal compris en fait le sens de cette carte. Wouhou, on gagne, ouais. Magicien de la ménagerie, cri de guerre, donne 2-2 à une bête ou un dragon. Et on gagne le conservateur, provocation, cri de guerre, ou piocher une bête, un dragon de votre deck. Défi des classes débloquées. Guerrier, sorcier et chasseur. Nous sommes presque au sommet. Nous devons sauver Medivh avant que la fête vire à la bagarre générale. Hop tag. Mais ça sera au moment où j'aurai à nouveau 700 pièces. Et croyez-le moi, ça sera pas encore pour tout de suite. À part si j'arrive à bien le fermer, mais sinon... À part si vous me donnez des sous pour me donner au moins les 7 euros qu'il me faut, mais... Bon bah sinon c'est sur ce qu'on va c'est sur ces 3 victoires d'affilée bah, qu'on va se quitter les amis. Sur ce sinon n'oubliez pas un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Sur ce, tchanan.